entré dans mon antre, celui du top vintage, et lui, il est l'un des phénomènes du début des années 90, en chanson en tout cas, puisqu'il se tournera ensuite vers l'animation télé, avec notamment Le Big Deal ou L'Or à l'appel, une télévision qu'il avait lancée pourtant dès 1987 grâce à la classe de Fabrice sur FR3. Vincent Lagaffe est alors géo dans les Club Med. En 1990, tout pile, il a la bonne idée d'adapter un tube house très coquin, celui de Lil Lewis, le French Kiss en beau le lavabo, et c'est un carton. L'humoriste produit parallèlement sa première pièce au théâtre Edgar de Paris, et beau le lavabo, WC Kiss, entre guillemets, totalisera 440 000 ventes et restera classé 28 semaines au top 50, s'octroyant même la première place, se payant le luxe de détrôner Sir Elton John et son Sacrifice. Lagaffe s'y moque entre autres des paroles niaises et répétitives et de la mise en scène limitée des tubes du moment. Allez, on a les lumières, on a la sono, chiche on en fait un. Et quel tube, beau le lavabo, au clip tout aussi délirant qu'on prend plaisir à redécouvrir aujourd'hui dans ce top vintage. Vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi, pour que j'y aille, je me sauve, hein. Salut! Salut!